En match, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, merci d'être là. Merci d'être nombreux. Hein. Vous êtes là, vous êtes pas nombreux malgré le fait que reste une qualification. Il y a la DreamHack à côté. Alter contre Ince. Préparez-vous à l'enroulement. Yes, big up, you rocks. Salut Doxy. Salut mon pote. Ouais, ça commence à pousser. Ça fait peut-être tout à l'heure, ça fait 6h30, là. 6h30 qu'on a filmé là. Ça commence à faire. Non, 5h30, pardon, 5h40. Ça commence à faire long, hein. On kiffe. Là, donc là, on est en demi-finale, loser bracket. Le prochain passe en finale, loser bracket. Et peut espérer aller en finale. En finale et récupérer. On peut espérer au moins la troisième place. Clairement. Ça va être assez chaud. Dites-moi un peu dans le chat là. Vous êtes plutôt Ince, plutôt Alter. You don't know what honorable means. Un peu in the chat. On a vu Ince prendre comment elle s'appelle, la petite slash. Alors là, plutôt belote. Non, quoi ça? C'est plutôt machin? Ah, moi je suis plutôt belote. Dans un film, ça, non, je crois, ou dans une série. Dis-moi un peu. Préparez-vous au combat. La source! Non plus. C'est assez rigolo. Allez, La good manche luck, have commence fun. en 3, Et 2, on est 1. Manche parti! 1. C'est Ince, on est parti. là. Lance-roquette. Mega heal tout de suite. Il a vu la big armor être pris. Il a pu la timer avec. Avec Alter qui prenait la big armor. Voisin pour le vivier. Ah ouais, c'était ça. Ah, c'était nos voisins. Là, je suis plutôt belote. Ah oui, c'est vrai, on l'avait dit, tu joues au poker. Il nous avait sorti. Qu'est-ce qu'il avait sorti, ce bâtard? Ah, moi, je suis plutôt belote. Eh, c'était ça. On aurait cru un film. On aurait pu croire un film. We need to pick it up. Il y a la DH ce week-end. Et ouais, il y a la DH en parallèle. Il y a des compétitions partout. Hein. Je vous rappelle, il y a la DH ce week-end. Il y a les qualifications de la DH Winter. Le week-end prochain, Non, le week-end prochain, c'est assez libre. Par contre, la semaine d'après, il y a. La Paris Games Week, le SWC bien sûr, mais il y a aussi l'Italie, l'Italia, je sais pas quoi, l'Italia Dance Floor Quake Champions. Il y aura vous, il y aura Cypher, il y aura Al, et il y aura, je crois, Close. Je dis pas de bêtises, c'est le gros joueur. Donc il y a beaucoup, beaucoup de trucs. Et je pense qu'en termes d'annonces sur les tournois Quake, c'est pas fini. Donc si vous avez envie de gagner de la maille, c'est le moment de s'y mettre. Ouais, ça close, hein. Aerowalk est stylé, j'aimerais bien la revoir. Ouais, alors on sait qu'il va y avoir des maps dites classiques dans Quake Champions, on va avoir des retours. Mais je sais pas trop Préparez-vous au quand est-ce qu'on combat. va les, on va les revoir. Personnellement, je préfère quand La c'est manche commence toutes les dans nouvelles maps. trois, Quake 4 deux, amenait beaucoup ça, un. et amenait très bien ça Manche avec deux, pas mal de nouvelles c'est maps. parti. Bon, surtout Quake 4 avait un éditeur ouvert et du coup on avait la possibilité d'avoir des maps de la communauté vraiment très bonnes, surtout en duel, je pense à notamment un mec qui s'appelait Lucain là qui faisait Placebo Effect, qu'est-ce qu'il faisait d'autre, A Dead Man Collinson, je crois, Collinson, A Man Collinson, qu'est-ce qu'il faisait d'autre, il y avait Moonsoon aussi, il y avait Galank, tout ça c'était des maps qui étaient jouées en compétition, qui étaient faites par la communauté, et finalement les maps officielles. Les maps officielles, même Frantic, ça venait de Quake 3, mais non officiel, enfin voilà. Donc tout plein de bonnes choses avec un éditeur ouvert. S'il y a bien une qui sera à l'ESWC pour aller boire un coup? Bah, moi, Linkin, bien sûr. Moi, les qualifiés, et puis j'espère qu'on verra, on verra tous, au maximum. Braquette.
Inns l'a trop, trop, il a trop voulu mettre, mettre son rail, je trouve ça dommage. Il aurait continué à mettre une pression sur son rocket, il aurait peut-être pu faire bounce alter et puis il aurait peut-être le retoucher après, le tuer, le récupérer peut-être la méga. Voilà. Avec des scies, on coupe surtout des arbres plutôt que. Mais il y avait moyen de faire quelque chose d'autre. Grosse rocket des deux côtés et c'est Inns qui s'en sort bien. On l'a vu hein, à ce niveau-là, toutes les roquettes sont bonnes à prendre et mettre très cher. On va avoir des gros frags. Ça, j'aimerais bien qu'on voie un petit peu plus de. Enfin, un petit peu plus encore. Plus de bons frags et de gros frags comme on a pu le voir lors de ses qualifications, notamment par Carwick. Carwick qui jouera en finale winner bracket contre le gagnant de cette manche-là. Donc là, c'est en BO3. Donc, pas d'élimination directe après la perte de la première map. Reste une chance. Oh, énorme roquette, ça y est. J'ai demandé, il m'a servi. Merci pour cette énorme roquette. La poupée, clipez ça, vous le mettez sur Twitter, hashtag QuakePGW. Yes, Linkin, j'y serai en sang aussi. Le grand Tamak. Ah bah, je suis pas de vous voir. Je voulais reposter sur FB. On peut se faire un Discord. Il y a un Discord de SWC, mais on peut se faire un Discord si vous voulez. C'est même plus facile de traiter par un groupe. Ça peut être une très bonne idée. Le plus pas. Alter qui est un peu dans le mal. Inns, super bien. Reste une. Il n'y a plus qu'à attendre, remporter. Bien sûr. Un bon niveau, je savais pas qu'il avait un niveau comme ça, ça c'est intéressant. Vraiment que c'était un mec moyen plus. Et en fait il est plutôt plus moyen. Ouais. Armor Hail, bien joué de sa part. Inns là qui plus qu'une minute avant de. Ah voilà, la gagne peut-être de ce round, il s'en sort avec 24 HP, le joueur le suit. Ça va être difficile, bien, c'est plutôt bien. Allez, plus que 45 secondes maintenant. Oh la roquette d'Alter, tiens on va passer sur Alter. Là, il a le contrôle de la map, il a récupéré la méga armure, la méga health. Il a mis un gros rail, il le met en difficulté. Qu'est-ce que va faire notre ami russe? Pas grand chose à mon avis. Ça va être compliqué pour son petit cul. Ah là, ah, c'est pas dur. Là, Alter, il a tout. L'arme, toutes les armes. Ah bon, il va maintenant directement aller à la méga hills. Deux bonnes roquettes, une troisième qui fait beaucoup de dégâts. Le rail, le combo kill. Ça y est, Alter qui met son deuxième round. Allez. Et chaud, plus qu'un seul petit round pour lui. Et puis, c'est la finale winner bracket. Loser bracket. Tiens, je vais le marquer. La manche commence dans 3, 2, 1. Manche 3. C'est parti. Oh, là, méga heals. Le chat. Rail. Ok, c'est à tout. Bonne roquette, deuxième bonne roquette. 8 HP, il s'en tire bien. Il s'en tire bien, là, ce pingouin. Prends l'avantage. Pas le temps de niaiser pour lui. Moi je veux aller en finale, je pense. Là, dans sa tête. Moi je vais aller la WC, 3ème sinon rien. 3ème minimum sinon rien. Oh. Inns complètement deep. Voilà, sur ce rail. Inespéré, ça y est, en mode forain, il va essayer de mettre des patates. Il s'est téléporté. Il y a une bonne lecture, à chaque fois on les voit quand même. Les gars qui se mettent invisibles et. Pas qu'ils se font torcher, mais les joueurs adverses.
savent ce qu'ils vont faire. Mais la roquette. Les deux sont à poil. 75 HP pour Ince. 75 HP c'est très peu. Les roquettes te font peur, les rails te font peur. Bon, le shaft te fait plus peur bien sûr, mais tu peux pas faire grand chose, là tu récupères un 25 d'HP, un 25 d'armure, c'est, mais c'est juste pour te mettre en sécurité, pour éviter de prendre un one shot, plus que pour faire un vrai, comment dirais-je, un vrai dégât quoi. Allez, à l'attaque, 8 seulement. Passer sur Alter qui récupère tout de plus en plus. Oh, deux bonnes roquettes de notre ami russe qui fait très mal. Mais il a pris aussi. Il a pris. Ne lâche pas, Alter, vas-y. Tu peux le faire. Et MTC 6, 1. Ça grappille. C'est compliqué. C'est compliqué pour notre ami, ami russe. Mais il récupère quand même la big armor. C'est bien pour lui. Pas trop de soul posé par le base, int, pardon. C'est quoi son équipe là? Dites-moi un peu dans le chat, là. C'est quoi Pretz? Ici pas. Pretz. T'es droite, mais c'est Alter qui s'en fout. Il a tout récupéré. T'as plus qu'à aller le chase. T'as entendu. Encore de Alter là, depuis tout à l'heure on voit des... depuis 3-4 rounds, on voit de rounds de bracket, hein, n'est-ce pas? On voit des bonnes roquettes de part et d'autre, ça c'est pas mal, j'aime bien. Là par contre Ince il est en PLS total, il a plus de vie, il a aucune armure. Je suis même pas sûr qu'il ait des vrais times. Il a justement vu là que l'Espagnol récupérer la Mega Hills, mais pour lui à mon avis ça va être compliqué là sur ce round. Il a quand même mis une bonne roquette. Ici c'est son wall jump. Oh là, la roquette est en faveur pour Alter. Qu'est-ce qui va se passer? 40 secondes. Un champion down des deux côtés. Le prochain qui fait un frag, c'est la victoire assurée. Et Alter est bien là dans cette partie. Il a plus de roquette, il est obligé de perdre un peu de temps. Obligé de récupérer un petit peu de. C'est moi où on t'entend mal. Ah bon? Je suis pas sur un de son sub. Est-ce que j'ai des problèmes de son? Non, je suis pas sûr. Tout a l'air honnête. Allez. Alter qui devrait rester là. Il arrive par derrière. Non, c'est bon, il s'en va. Le son est bien, ouais, le son est correct. Après, effectivement, là, je commence un petit peu à fatiguer. C'est un peu la fin de la journée. C'est un petit peu difficile de parler continuellement. La gorge fait mal, pique. Discord, ça va même sur un téléphone, ouais, bien sûr. Mais bon, Facebook, Discord. Avec, pareil au même. On est parti hein, en overtime, hein. Ça fait déjà 30 secondes qu'on y est même. Premier qui meurt, premier champion down, c'est fini. Le round est perdu. Et si Alter fait son frag, il gagne cette première map. Ça peut être une. Tiens, j'ai marqué 1-1 d'ailleurs. Changer carrément les scores hein, depuis tout à l'heure. Il y a 0-0. Donc c'est un BO 3. Tac. Ça arrive à me faire un. Régie un peu mieux.
parce qu'à chaque fois je suis obligé de revenir sur le bureau de machin. C'est pas optimal. Putain, je joue safe. Safe des deux côtés là. Allez, le premier attaque, l'attaque d'Alter, les roquettes qui passent bien, qui font des dégâts, il y a le mec invisible à côté de lui, il va se prendre des roquettes, il n'arrive pas à collecter. Il est obligé de backup 2 HP, et l'autre, qu'est-ce qu'il a un peu? L'autre il est à 35, il a récupéré une 25 d'armure, une 25 de vie, et bonne roquette, c'est bon. C'est du coup, Inns qui fait le frag. Alors tu parles beaucoup moins fort, avec des anciens, ça l'a mal capté. Je parle un peu moins fort, effectivement, il commence à faire un petit peu tard. Je trouve un peu avoir mal à la gorge, donc j'essaie de parler un petit peu moins fort que ce que je faisais tout à l'heure. Rajoute-moi sur que c'est trop fort à des parties avec du lag. Ouais, c'est pas cool. On part sur du Anarchy vs Anarchy, tranquille. Matchup qu'on a vu assez souvent dans ce troisième qualifieur. Matchup assez dynamique. Bonne roquette pour Inns. Énorme rail, il a malheureusement il a pris une grosse roquette. Tiens, on va repasser sur Alter, on va changer un petit peu, voir qui fait quoi. Quels sont les stacks, même si effectivement avec ce nouveau HUD on voit les stacks de l'autre. Quelle roquette! Mais quelle roquette de Alter! Une belle prédiction derrière le poteau. Ça fait très mal la deuxième roquette qui va toucher. Oui, ça y est. Du coup, Inns qui n'a déjà plus de vie au bout de quelques secondes. Au bout de quelques secondes de ce nouveau round. Alter, il est en bonne position. Il a pris la méga, il a pris la big armor. Le Rael par contre qui est complètement miss. De son côté, Alter qui lui reste tous les champions, il va faire un frag. Ça y est, Alter, est-ce que Alter va marquer cette première map et mettre un pied en finale winner loser bracket. Et donc un pied à l'ESWC, je rappelle, hein, le gagnant de celui-là est qualifié pour l'ESWC. On a déjà Baze et Garwick qui sont eux-mêmes qualifiés. Et là on est en train de définir qui sera le troisième qualifié. Lequel des deux? Oh, ok, bien joué. Inns qui remonte. Il a pris sa slash, c'est quand même très rare de voir une slash. Parce qu'on prend une journée entière à commenter, normal, ça se fatigue un peu là-bas. Ouais, surtout que je disais tout à l'heure, j'ai un peu forcé là, j'ai regardé le basket et la Dreamhack Winter. La Dreamhack Denver hier. Là, moins d'heure, je suis allé travailler sur mon chantier là ce matin. Du coup, allez. Alter qui récupère cette première map. Bien joué de sa part. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc ouais, effectivement, là j'ai un peu forcé, donc il faut. J'hydrate mes cordes vocales et j'ai des petites pastilles. Pour tenir. Ah, effectivement, là je suis tout seul à caster l'événement, du coup ça fait ouais, presque 8 heures de cast. Le week-end dernier on a fait 8h30 et 9h de cast. Tu seras quand exactement LinkedIn appelé le moment. Waouh, t'es fou. Hop, laisse-moi. À 15 minutes. Ah bah c'est cool. Encore un reportage. Préparez-vous à l'enroulement. Boss pour Orange et PlayStation. L'année principalement. Slash Nyx, ça va aller vite. Ça va aller vite. Blood Covenant. Slash est totalement justifié. Le map. Ah, le Doomslayer. Doomslayer qui est devenu extrêmement populaire.
Con comme remarque. Alter 1, Int 0, BO3, 1 pied dans la finale pour notre ami Alter, l'espingouin qui marche bien. That was brutal. Sur Ventrilo. Ventrilo ça a jamais beaucoup marché en plus. Enfin en Europe je veux dire. Ça marchait bien à ICQ. Je crois que les Russes utilisent toujours ICQ. Tu me whiz sur MSN, je crois qu'on a un gagnant là-dessus. Whiz sur MSN, ça c'était bien rigolo. Allez on est parti, deuxième map. Alter contre Ince, 1 pour Alter, 0 pour Ince, c'est là. La demi-finale de du loser bracket BO3 qui gagne ce match et qualifié pour les WC, c'est très très important. Le WC Paris Games Week 2017, 10 000 euros, je rappelle, hein, 10 000 euros à se partager en mode duel, c'est énorme. Et le premier de cette qualification remporte son voyage, son hôtel. N'hésitez pas à tweeter avec le hashtag QuakePGW. Surtout, mettez des petits clips, c'est sympa, on voit des beaux frags. Donc mettez des petits clips, vous me taguez, vous taguez Quake underscore FR WC underscore France FR pardon. Et on fera une joie de retweeter les belles actions actions qui vous ont marqué tout au long de cette qualifier number. Je parle par pigeon. Pas toujours plus vite qu'une roquette de Quake 2. Ah c'était infernal les enquêtes de Quake 2. Mais je pense que le pire dans Quake 2 c'était le rail. C'était trop bizarre. Tirer, ça mettait un peu de temps à tirer. Enfin c'était... Moi Quake 2, j'ai joué à tous les jeux, à tous les Quakes. Le Quake 2 c'est le Quake moins accroché. Ça va finir avec Corel, je pense qu'il aurait dû garder son rocket et continuer à bombarder. Oui, 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 rejoignez le Discord de la communauté, bien sûr. C'est très bien, on est là, on quasiment tous les soirs. On joue ensemble, on essaie de faire des petits matchs, des petits. Parti, il est pépère, donc allez-y, venez rejoindre. Rocket encore de Alter Ego. T'arrives. Pas d'alter ego pour lui. Elle l'a sur... Ouais bien sûr Discord c'est sur téléphone mobile. C'est le Ouais, elle est pas mal. Pas mal fait. Discord, c'est pas mal fait en général. C'est. Et du coup, pas, hein, ça a breaking. Casser le tel. Personne qui se fait. Personne qui se verse. Pas de frag encore, hein, ça fait déjà 3 minutes. Dans cette même carte, il y a toujours pas de frag. J'espère qu'il n'arrive pas à... Et j'ai la première map qui était gagne. Là j'ai l'impression que Ince aussi a une meilleure facilité. Il s'est pris un rail donc c'est un peu ce que je dis, mais là, il a une grande faculté de déplacer et d'augmenter sa vitesse. Sûr, là il s'est fait défoncer. Là, il a posé un peu. Là, la première map était celle de Alter. Domine sur la terre là sur c'est ça. Moi j'aurais peut-être pu faire des gars. Il va continuer à spawn, à span un peu partout. Et il a entendu le wall jump qui sert à esquiver pour notre ami russe.
pas beaucoup des deux côtés. C'est vraiment un frag, si on le sait. C'est juste un nombre de choses. Sur l'injection, c'est pas mal fait. On a un risque et la roquette. Je dois alterner la roquette, la deuxième roquette. Et la deuxième roquette qui frag. Un peu du suicide de prendre le bump juste devant un joueur comme Alter, c'est. Faut pas pousser, Alter. Roquette là, il donne un petit maître du net. Net master. Plus de 30 secondes. Là, il s'est intérêt à passer la vitesse supérieure parce qu'il va, il lui reste plus de temps pour faire le frag. Et il est bien parti. Et voilà, ça y est, ça peut jouer en sa défaveur pour Alter. Faire tuer là quelques secondes. Il va mettre du temps pour respawn. Regardez. L'enfoiré, il met du temps et il a raison, et il récupère son Ghost Wall, il va l'activer maintenant. Il a bien raison, c'est win. Bien joué de sa part. Ça me rouvre comment les joueurs ne lâchent plus Rocket Lane. Préparez-vous au combat. Bah moi j'aime bien. Il y en a que ça marche vu le next code. La manche commence dans 3, 2, 1. Manche 2, c'est parti. Allez parti, la manche 2. Le petit plaid, clairement on peut reprendre. Bon, pour mettre son bon raid, mais il l'a pas placé. Hop. La roquette qui passe à un demi centimètre des pieds de hit. Détaille un peu la big armor. Tiens, t'as raison. Direction la big health. Ça touche pas, hein, côté alter au niveau du trail. Là il est en grande difficulté. Là, on va passer un peu sur Inns. Il y a sa slash. Qu'il est pas présent. Voilà, il attend. Connais les spawns. Pour une sortie. Oh. Il a fait exploser directement son trail. Il s'en bat les steaks. Respecte rien, ça c'est bien joué. Ça fait beaucoup de dégâts, beaucoup plus de dégâts que le prévoir ou le penser. Kill de skieur. Oh la bonne. Oh. Ça c'est du dommage quasi gratuit. Hein. Je maîtrise bien son balai. Sinon. Préparez-vous au combat. Salut Thaïs. Bienvenue. La manche commence dans 3, 2, 1. Manche 3, c'est parti. Tiens, on va continuer à regarder avec une tâche. Plaisir, c'est hyper fluide. Dites-moi un peu dans le chat ce que vous voyez gagner et surtout. Ou à vos yeux, quel est le plus tard et le joueur qui mérite d'aller à l'ESWC. Bon. Belle roquette bien placée. Ça, ça dépend. Bon, il dit le shaft. The chase au shaft. Directement son shotgun. Essayer de tendre un piège, il a bien raison. Oh, c'est bien joué de sa part. Il a bien anticipé. Maintenant, il a. Fort Inns. Passe pas très là. Il domine sur
C'est pas mal du tout, le combo kill. Rocket, air shot. Ah, avec son rail, pardon. La manche commence dans 3, 2, 1. À l'attaque. Pas mal cette action, pas bah, sans fleuriture, sans bien les... faut y aller, faut pas éviter de se prendre des dégâts inutilement. Oh, ce qu'il a mis Alter. Alors là, bien joué, ouais, bien joué. Deux frags là qu'on a vu, là, c'était vraiment bien joué de leur part. Est-ce qu'il va mettre des patates? Ça a pas l'air, attention. Oh, belle roquette là. Complètement maîtrisée. Complètement. Par Alter, cette roquette. Préparez-vous au combat. Ouais. Tu peux. Tiens, regarde. Tu nous le clip. La manche. Et tu nous le mets sur Twitter. Hashtag CodecPGW. Tu peux me mettre si tu peux te taguer. At ZuluAQC sur Twitter. C'est un plaisir de te retweet. Très belle roquette d'Alter. J'espère qu'il ne va absolument pas perdre cette map. Il peut partir directement en finale winner bracket. Pas attendre. Ça, j'en suis super. Super sûr. Oh, Balancho. Je vais prendre un maximum de vitesse, le combat qui va être engagé, la bonne roquette qui... Non, ça veut pas, c'est 14 dégâts, c'est pas assez. Voilà, ça l'a fait beaucoup plus mal. Le Ghost Wall est engagé, il a entendu. Ouh, Inns qui a une bonne roquette. Il va passer sur une. Bon. Poser ce... Bane. Je vais faire... Qu'est-ce qu'il a eu, imagine bien, c'est pas con. Il a plus de... T'es obligé de paquer, récupérer la big armor, le demi. Ah. Oh, bon. Et il a entendu, il a vu. Ah, c'est bon. Ça a pu faire très 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 mal à notre Alter. Dans un piège, il le sait. Alter, il était attentif. Alter, 41 HP, 66 maintenant, 92 avec la big armor. 2 minutes, il a le temps de voir. De toute façon, c'est ex-aequo pour l'instant. Dans la configuration actuelle, on part sur de l'overtime. Peut-être un combat qui est engagé ici. Voilà, ou ici. Un rocket de Inns qui sont monstrueuses. Vraiment monstrueuses. Voilà, la big armor, le ray qui fait mal, et ça y est, la vapeur est complètement inversée. Faut qu'il fonce. Oh, encore un énorme raid. Heureusement, il tombe sur la big armor, la mega heals, pardon. Dommage, la boîte d'Alter qui se prend tout ça. Une grosse roquette. Oh, ça. You scum. C'est sur Inns. Horrible pour lui là. Il.
Malgré le travail qu'il avait effectué de pression et de dommages d'un peu de loin, tout vient s'annuler en 3 secondes. Bien pour Ince. Ah bah voilà, c'est Ince qui remporte la manche. GG. Du coup, ça fait un. On part sur une troisième map. Oupi, c'est vrai. Ah, c'est ça. Les joueurs n'ont pas utilisé une seule fois le shaft. Rien qu'il y a. Enfin, par contre, 44 et 42 au niveau des rails de part et d'autre, ça c'est pas mal. Et où le shaft? Ouais, c'est ça. Bah, il n'existe plus le shaft. Ils n'ont pas utilisé. Dernier round. On va partir sur Off Sarnat. Préparez-vous à l'enroulement. Il continue à la slash. La maîtrise pas parfaite. That was brutal. Manche commence dans 3, 2, 1, manche 1, c'est parti. Allez, on est sur Alter, il récupère le 25 d'armure. Oh, il se prend un bon raid d'entrée là, c'est dommage pour lui. Ça va peut-être lui coûter très cher. Non, heureusement, il s'est pas fait entendre. Oh, petit miss mouvement. Toujours présent là, toujours chaud. Choc, choc, choc. Janky, la cam. Les roquettes qui font vraiment très très. Ça a vraiment changé le jeu, hein. Dans ce shaft là. Et les joueurs vont toujours récupérer le shaft à chaque fois, ils l'utilisent pas mais ils vont quand même le récupérer au cas où, on sait jamais. Y a pas, c'est une mise à jour du serveur Quake Champions entre les maps. Peut-être que ça peut toucher. C'est quand même pas mal de dégâts notre ami Ince. Oh, le raid qui passe pas loin. Alors on va voir un peu, oui, Ince, qu'est-ce qu'il nous propose. Il a un joli gantelet bleu turquoise. Pourquoi pas?
Ça joue la camp, hein, là. Ils le savent, les joueurs, hein, ça, ils ont joué toute la journée. S'ils perdent maintenant, c'est terminé. Ils sont obligés de tout recommencer depuis le début. C'est éprouvant, hein, mentalement. Physiquement, c'est éprouvant parce que tu joues toute la journée, t'es obligé d'être concentré. Puis mentalement, ça te touche, quoi. Psychologiquement, t'es là, tu te dis, oh, purée, il faut que je recommence tout un travail. Ça va être compliqué, ça va être dur. Hein. Puis, pas les joueurs qui vont on check-in le jour suivant. Vraiment grosse prise de risque, pardon. Mais bon, il en faut bien un troisième et un quatrième, c'est forcément comme ça. Pire. Le temps à tirer, bon, après, on a le Ghostwalk, enfin pas le Ghostwalk, le X-Ray qui nous permet de juger rapidement. Ça vit. Voilà. Les limites ce soir. Bon raid là. Ah, il va utiliser son Ghostwalk, c'est bien, pas mal fait. Pour essayer de se mettre derrière lui. Et là, il a la chance parce que Alter s'est suicidé. Alter qui va utiliser son monde de bourrinage, mais ça n'a pas fonctionné. Hein. Ah, je. Ah mais Inns, arrête d'essayer de toucher avec ton rail des fois. Quand t'y arrives pas, t'y arrives pas. Ouh, je suis au-dessus de la roquette. Chef qui est engagé, ça touche pas beaucoup mais ça touche un petit peu. Ça fait des dégâts, il a plus rien, il a plus beaucoup de vie. Faut continuer à mettre pression. Ouais, bien joué. Bien joué Inns. Et on passe peut-être de... Pourquoi pas remporter ce round quand un champion à tuer puis à abattre ou à attendre 1 minute et 15 secondes. La Ghostwalk pour notre ami à terre et il se fait frag. Ça y est, Inns, c'est chaud patate. Il prend l'avantage, une map à chacun plus un round. Donc c'est lui. Lui qui est en bonne position. Que va faire plus qu'une minute. Alter. Manche commence dans 3, 2, 1. Manche 2, c'est parti. Roquette 21, je pense que c'est pas assez, il va directement au corps à corps. On voit beaucoup ces joueurs venir vraiment au corps à corps, malgré le fait que ce soit des caractères, enfin des personnages très légers, avec peu de points de vie. Faut quand même venir au corps à corps et essayer de gratter des choses. Et ça marche toujours, toujours d'un côté ou d'un autre. Mais bonne roquette qui fait énormément de dégâts, la deuxième roquette qui fait beaucoup de dégâts. Et le troisième qui est absolument divine de Inns. Inns qui est là, il est présent, RPZ, c'est de la Russie, sur le shaft, il va essayer de faire quelque chose, ça va être difficile. Ouais, oh, si, il s'en bat les couilles du tout, respecte plus rien lui. Il veut sa qualification. Il veut son billet violet. C'est une bonne référence. Hein. Ah. Pire rappeur français. Si. Ça touche très très bien du côté de Hit. Continue son carnage, hein. On va l'appeler le bulldozer. Préparez-vous au combat. La manche commence dans 3, 2, 1. Manche 3, c'est parti. Attention là, attention Alter, tu peux te faire éliminer. Tu auras tout à refaire demain. C'est quand même lourd de tout refaire. Là t'es vraiment. Là si tu perds, t'arrives quatrième quoi, t'as le seum. Est-ce qu'il se décourage pas, il dit allez je prends un shaft.
Dès que t'as plus de vie, je peux le mettre ce shaft. Truc de champion. La raquette qui passe. Oh là là, les roquettes elles sont monstrueuses. Sors le shotgun mon pote. Allez. Yo, il y a plusieurs 1v1 différents car sur le stream anglais c'est Tox contre Garpy. Non, c'est. Enfin. Oui, c'est deux compétitions différentes. Ici, on est sur l'ESWC 2017 qui se tiendra du 1er au 3. Là, c'est les qualifications en ligne pour savoir qui viendra. Toxic contre Garpy. C'est la DreamHack Denver. Donc, c'est vraiment une autre compétition. Il n'y a rien à voir. Donc ouais, super compétition, mais des streams complètement différents. Waouh, le bon combo. Oh, et encore, il continue à mettre une pression incroyable, le Inns. Attention, à mon avis, ça va être frag pour lui peut-être. Ouh, il s'en tire encore. Pas loin du tout, le halter. Un champion de down partout, il reste pas grand chose, bof, c'est tout le temps la même. C'est tous les mêmes tournois. Oui, c'est ça. Faut dire, on pourrait jouer comme ça, ça reste du 1v1 quoi. Donc, oui. C'est un vrai char. On dirait qu'il parle en belge ou en canadien. Oh, oh les roquettes. Hey, Inns qui. Inns qui a plus qu'un champion de la victoire. Il a passé son premier raid. Non, ça va pas passer. Il va se mettre invisible. Il est obligé pour essayer de faire quelque chose. L'autre vient le charger. Ah, il a. Il le retrouve. Ça va vite. Plus que 2 minutes. Qu'est-ce que va faire Alter? Alter il met bien, il met. Oh! Et il va remporter ce round. On aura le droit au moins à un round de plus. Préparez-vous au combat. La manche commence dans 3, 2, 1. À l'attaque. La bigarrement, le raid, le taf. Prends plus qu'un rocket, ça passe. Rail. Plus rien. Ça joue la montre là. Allez, on veut de l'action, on veut des gros frags. Ah. Ah. Voilà, ils ont joué. Vous, vous avez joué. Frag quoi. Gros joueur. Noctis, tu es aussi. Question. Pas de SWC. Trail gratuit. Mais dans le droit chemin.
Allez, 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 allez. Qu'est-ce qu'on veut? On veut les frags, on veut les frags. Allez, allez. Bon monsieur, je vous termine. Gobelet, je vais essayer de débiter. Bah, avec grand plaisir, Linkin. Je serai juste. Ready. Ready. Bracket, please no S. Just bracket, not brackets. On a pas vu de frag, allez les mecs! On veut du frag, voilà. Franchement. Oh la la, il est par Alter. Car ça y est, il prend le dessus. Enfin un frag au bout de 3 minutes 20. Je vais passer une impression. Alter, Wiggins qui fait remet ça à la barrière. Plasma pour éviter toute attaque. Pour rush. Et il récupère le frag. Et il va peut-être récupérer le premier frag. Il va sortir les patates de forain. Il va réussir. Oui, c'est bon. Et c'est acté. Du coup, dernier map de ce PO. Trois derniers maps, dernier round. C'était attendu. C'est bien ça. La manche commence dans. 3, 2, 1, à l'attaque. Ça les a un peu clairement. Oh, putain, hey. Attention. C'est absolument être, mais dangereux, c'est très dangereux pour lui. Pour venir. Ça passe des deux côtés. Là. Mec, il n'y a pas de frag depuis 10 minutes. La version qui est claquée. Plasma Trail qui fait beaucoup de dégâts encore une fois là. C'est marrant hein, comme. Enfin, c'est marrant. Puis de voir Ince jouer son Plasma Trail, c'est vraiment incroyable. C'est vrai, moi j'ai toujours la vie. Dès que j'entends que le Plasma Trail touche, je me dis attends, j'attends un tout petit peu pour que le mec se place bien dedans. Et à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais. Très souvent, bah, le mec finalement justement s'en va. Oh, il a pris cher le Ince. Il a pris très cher. On va voir un peu Alter. J'espère qu'il a pas beaucoup de stack, mais il arrive à faire son petit stack tranquille. Il est pépère, il est tranquille. Ok, on commence bien. Arrêtez d'essayer de charter. Il se met en mode furie, il essaie de lui mettre des patates, ça marchera pas, il sort à côté. Quand une première patate qui passe, c'est fini le mode furie. Sors ton lance-roquette, arrête ton rail. T'es trop loin là, t'es pas en position. Voilà, récupère peut-être la machine gun, je pense pas que ce soit la meilleure solution. Continue avec la roquette, il met une pression, il touche pas grand chose. 3 et 51, pardon. Et ils sont à walper tous les deux. Hein. Comme dirait l'autre, c'est le cap d'Agde. Vraiment. Et comme elle est vert. Hein. L'alter qui récupère le gros slip vert. Du sang d'armure. La roquette qui est passée un poil. Poil de slip. Et je craque. Allez, c'est parti. C'est parti, Alter. Fonce. Reste pas beaucoup de temps. Si tu veux la victoire, c'est maintenant. Il te la faut. Attention, t'es juste à côté de lui. C'est pris une roquette. Roquette, il peut plus challenger. Il est obligé de partir. Il est obligé de se restack. T'as le problème avec des champions avec un stack assez limité, bah dès que tu commences à prendre des dégâts, t'es obligé de backup, tu peux pas. Bah là il risque sa qualification pour le SWC donc quand il part.
Et recule. Ouais. Et c'est parti, le mode gangster est activé. Mais Vince qui a décidé de pas du tout suivre en fait. Ah, ça doit être bien. Allez, plus qu'une minute. Bon, 1 minute et 5 secondes maintenant. Le prochain qui fait un frag, je pense qu'il a gagné. Si je dis pas de bêtises, sans m'avancer trop. Bah, lag. Attention, attention Inns, tu perds beaucoup de vie, il te reste que 40 secondes. Il a loupé. Oh, Alter, il est dégoûté, il aurait pu clôturer le round, quasiment clôturer le round et assurer sa victoire. Et il n'a pas réussi, bah c'est bon. Là, ça va être compliqué pour Inns de revenir dans ce match. Il reste 20 secondes, il va taper une attaque. Il a récupéré le rail, attention pas de se faire catcher un peu n'importe comment. Inns, Alter qui décide de faire un rocket jump. Ah, il a essayé de le lamer avec une Aerox mais ça n'a pas marché. 5 secondes. Il sait contre un rocket, il est bien. Vous avez gagné. Et c'est parfait. Ça y est, GG, c'est Alter qui passe, Alter est qualifié. Il va jouer du coup directement la demi-finale, la finale, loser bracket et peut-être la grande finale. Allez, on marque une petite pause.